CRN, revendication d'un comité national de réconciliation. Le comité de réconciliation nationale, ou CRN, réclame la tenue d'une concertation politique et la mise en place du comité national de réconciliation dirigé par le professeur Zafé Albert. Selon les explications de Taber Ndiamanatsu du CRN, c'est l'unique voie pour résoudre les différends politiques qui prévalent actuellement à Madagascar. La mise en place de ce système permettra également de suivre de près la vie de la nation et d'apporter des solutions aux problèmes récurrents, particulièrement la lutte contre l'insécurité. Taber Ndiamanatsu lance un appel au président de la République et Radjon Harmampian pour la mise en place du CNR. Pour lui, la désignation du professeur Zafé Albert à la tête de cette entité découle de source, puisque c'est l'ancien président qui a élaboré les textes sur la réconciliation nationale depuis 2002. Le pays a aussi besoin d'un homme d'expérience comme Zafé Albert, a-t-il poursuivi. L'accueil de nombreux sommets internationaux n'est pas la seule affaire de l'État, selon toujours Taber. Il faudrait la contribution et la solidarité de tout un chacun pour que tout se déroule sans incident. Le CRN souligne en outre que ce parti fondé par l'ancien président est contre toute forme de trouble et de déstabilisation. Il condamne l'attentat survenu le 26 juin dernier au stade de Mahamasne.